Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui on se retrouve pour passer le Buzzcut, le ciboulot en diamant et en Dark Matter. Il me reste qu'un seul défi à faire. J'ai fait tous les autres défis hors ligne, hors vidéo, hors stream, parce que c'est assez longué à faire quand même, mais je tenais quand même à faire une vidéo pour faire ce dernier défi en live. Donc on est parti, il faut que je fasse 5 kills avec l'arme de l'ennemi après avoir tué cet ennemi là. Donc ça peut être très rapide comme ça peut être très long ou ça peut être très compliqué. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Je sais pas si je vais réussir à faire les 5 dans la même partie, mais en fait il faudrait que alors déjà je pense que je vais passer sur du pillard, parce que même si c'est vachement utile d'avoir isolement et tout, quand je ramasse l'arme de l'ennemi, il faut vraiment que je la garde le plus longtemps possible et que les munitions soient pas vraiment un souci, parce que souvent quand tu ramasses des armes t'as genre un chargeur dedans, tu sais pas trop pourquoi. Donc on va quand même mettre pillard histoire d'être à peu près sûr de pas se retrouver à court de munitions. Et le problème c'est que avant de faire les 5 kills sur le même gars, tu peux quand même faire une bonne vingtaine de kills dans une série, tu vois, pour avant de réussir à finir le défi. Donc là, on va voir. En fait, le but, ça va être de ramasser la meilleure arme possible qu'on peut trouver chez l'ennemi. Et bah vraiment essayer de la conserver le plus longtemps possible et de faire le plus de kills avec, d'aller dans la plus haute série possible avec cette arme. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être possible de rester aussi longtemps avec une arme ennemie comme ça. Il va falloir déjà trouver une arme qui soit correcte, parce que c'est vrai que... Bon, il y a des mecs qui jouent avec des trucs, genre des manowars sans cross, sans poignée ergo, enfin des trucs un petit peu exotiques, dirons-nous. Il est passé où, lui? Il y en avait un juste là. Ah, il est là. Piti, t'as quoi comme arme? Va pas mourir devant moi, toi. Sniper, ouais. Voilà, je suis vraiment nul au sniper avec ce Halo. Je ne sais absolument pas pourquoi. Enfin, au sniper, sauf le P06, mais le P06 c'est complètement différent. Mais avec ce locus, je suis extrêmement mauvais. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment, vraiment énormément de mal à viser. Oh, nice, ça fait déjà deux fois, je crois. Oh, je m'en vais. Mip, mip. Ok. Non, c'était le mien celui-là. Celui-là, c'était le mien, mec. Tu peux pas me piquer mon kill comme ça là et. Oh, waouh, je l'ai absolument pas vu. Ok, donc déjà, je crois que je suis à 2, 3. 2 ou 3. On est bien, franchement, là, on est bien. On est très très bien. Je sais pas trop où aller, faudrait que j'aille de l'autre côté, mais. Comment dire. Ok, on peut passer par là, je pense. Essayons de pas se faire shooter au milieu. Oh, dommage, il m'a mis la rafale complète. S'il m'avait pas mis la rafale complète, j'aurais pu l'avoir. Enfin, c'est même pas j'aurais pu l'avoir, si j'étais sûr de l'avoir. C'est pas grave. Y a deux personnes là. Ok, allez. Je sais pas qui est-ce que j'ai tué juste avant, mais on va essayer de tuer ce mec avec sa Vesper. Je sais pas si c'était pas lui d'ailleurs. Marvin de Martian, je pense que c'était lui. Je suis pas sûr, mais à mon avis, c'est lui qui voulait genre prendre sa vengeance là, tu vois. Y a beaucoup de chances que ça soit ça. La vache, il m'a mis cher. Mip, mip. Putain, j'adore ce spécialiste. Il est vraiment bien. Il est vraiment, vraiment bien. Alors, où sont les ennemis? Où est l'ennemi, surtout? Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui m'intéresse, et c'est lui, je crois. Oh, dommage. Je crois que c'était lui. Je suis pas encore à 5. Ah, je sais pas si c'était lui, en fait. Je me souviens plus exactement. C'était un mec en blanc, mais bon, voilà. J'ai pas vraiment regardé le pseudo. Oh, waouh, alors le toit. T'as lui, il est vraiment... Il est énervant. Voilà, il est vraiment énervant, ce mec. Parce que j'ai quand même un... Comme un drone et j'arrive même pas à l'utiliser correctement, tu vois. Oh oui, oui, bah oui. Je l'ai vu sur ma minimap et tout, mais clairement là je pouvais pas tuer le premier, faire un 180 et retirer instantanément sur le deuxième. Là c'était juste pas possible. On est quand même en train de perdre la game avec Mouillon, on est en train de perdre la game. Bon, c'est pas très choquant. C'est pas très choquant parce que vu le nombre de games que je perds en faisant des ratios de 2 ou 3, bon c'est pas ça qui me... Oh my fucking god, je l'ai absolument pas vu ni entendu. En fait, je l'ai vu sur ma map, mais tellement trop tard. Pourquoi moi, t'as un autre mec devant, là? Tu vois, il t'a tué, je t'avais dit, c'est lui qu'il fallait tuer. Sérieux? Putain, merde, quoi. Bon. C'est quoi? T'as quoi, toi? Donc toi, t'as pas d'arme. Ok, donc lui, il a pas d'arme. C'est pas super pratique pour le tuer avec son arme. Surtout s'il en a pas, mais... Oh putain, pas lui. Pitié, pas lui. Ouh, je suis plus là. Attends, j'arrive. Ah non, mais le tue pas, j'arrivais là.
Bon bah j'ai un petit peu gaspillé mon spécialiste. Où est-ce qu'ils sont les ennemis là sinon? Pitié, pas devant. Pas devant. Ah. Ah, il y en a un autre là. Il m'a vu. Non, il y en a un autre là. Ok, Kuda, ça c'est cool par contre. Ça c'est vachement cool la Kuda. Ça, ça va m'aider je pense. Allez, le quatrième là. Quatrième balle qui galère à passer. Alors, je sais plus qui, je sais pas qui je dois tuer, c'est pas lui. Je sais pas si c'est lui ou pas. J'en fiche un petit peu là, j'avoue que. On va faire mip mip. Waouh, j'ai quand même réussi à me prendre une balle en passant en Speedy Gonzales. Je crois que c'était lui. C'était lui. Ah, je sais pas si c'était lui. Dommage. Je pense que c'était lui quand même, mais je sais pas combien je suis en fait. Je sais même pas si le défi marche limite, parce que là je commence à me poser des questions. Oh, ok. C'était... Oh, 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 je suis désolé mec, mais alors là c'était beau. Oh yes, diamant. Oh, je suis désolé, mais le kill pour débloquer le diamant et l'or était tellement beau. Il était tellement magnifique. Et je me sens mal pour lui, quoi. Je sais, il y en a un à côté de moi, mais non, il est derrière. Ouch. Pff, aïe, ça fait mal. Ok, bon bah voilà, on a réussi à terminer le défi, c'est cool. Malheureusement, je peux pas le mettre en diamant tout de suite. Il y a du people là, non? Tu peux pas revenir là? Ah, sérieux, c'était ridicule. C'était ridicule. Oh là là. Le mec, il voulait absolument pas que je revienne sur lui, quoi. Sauf que j'étais en spécialiste et bonne chance pour. Bonne chance pour que je reste pas ton cul là. T'inquiète. Je sais pas pourquoi j'étais là parce que les amis sont de l'autre côté. Weevil. Ok, je crois que c'était une Vesper au début. Ok, non, bah en fait, non. Maintenant qu'il sait que je suis là, non, c'est plus la peine. J'ai plus envie. Contre lui, j'ai envie. Je sais pas s'il m'a vu. Je crois qu'il m'a pas vu. Il était en train de regarder dans le ciel. Bien ce qu'il me semblait qu'il regardait dans le ciel. A mon avis, ils sont sur les rails de train là-bas. Je pense. Non, même pas. Ah, ils sont en côté C aussi, ok, ils sont de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a un petit peu un vrai sans l'air aussi, donc c'est sûr que bon, ça aide pas forcément les mecs à bouger. Et on va gagner le game, waouh. Ça c'est beau par contre, parce que le nombre de games que je perds en ayant quand même un excellent ratio, du moins un bon ratio, c'est quand même assez impressionnant le nombre de games que je peux perdre comme ça. Là, ça fait plaisir d'en gagner une de temps en temps. Il y a des mecs un peu partout et pas trop aller parce qu'elle me fait très peur cette fenêtre. Fait très très peur. Ok, c'était un allié. Pff, il m'a fait peur lui. Wow, allez, Vlan, prends ça dans la gueule. Et merci au passage. Je sais pas si j'aurais réussi à le tuer parce que j'étais presque pas, presque plus de vie. Nice. Mais mon kill! Mon kill! C'est dommage, j'avais un double kill à la fin, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. En soi, j'ai fait quand même une plutôt bonne game là. Je m'en suis vraiment bien sorti, j'ai surtout réussi à faire tout le défi en une seule game. Je m'y attendais pas spécialement parce que c'est vrai que ça peut paraître facile comme ça, tu vois, de tuer 5 mecs avec son arme quoi, après l'avoir ramassé, sauf que. Bah faut croiser 5 fois le même mec, tu vois. Ça c'est pas forcément évident. Donc là ça va, je m'en suis bien sorti, j'ai eu du cul aussi sur le mec au sniper parce qu'il a eu 2 ou 3 spawns qui étaient un petit peu dommage pour lui, hein. Clairement là, je pense qu'il avait des spawns, bon, surtout le dernier par exemple, hein. Genre je prends son arme, je fais un jump shot et boum il est dans mon viseur, donc ok, normal. Mais ouais, j'ai quand même eu un peu de chance sur cette partie là, mais c'est cool. Une arme de plus. Il m'en reste encore quelques-unes, hein. Il m'en reste encore quelques-unes à passer en diamant. Alors j'hésite à faire en live du coup le Banshee, je sais pas, on va voir. Je sais pas si je vais le faire complètement en live le Banshee, je verrai lors du stream. Alors je sais même pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, donc comme ça règle le problème, mais alors, voyons voir ça quand même, hein, qu'on jette un petit coup d'œil à ce que ça donne avec le Dark Matter. C'est pas ouf, hein, ouais, clairement. Je me serais limite attendu à ce que la scie elle-même soit en Dark Matter, tu vois. Mais bon, je pense qu'il faut pas abuser non plus. Mais bon, ouais, bref. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne journée et une bonne soirée. On se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao.